un homme politique qui a soutenu notre combat depuis le début. Il était présent à l'Assemblée dans tous les débats. Il va nous en parler. Il vient de l'Ain, député de l'Ain, Xavier Breton, et qui nous parle de la PMA-GPA. Monsieur Breton. Député de Bourg-en-Bresse, pour être précis. Nous allons continuer le combat. Vous pouvez compter sur nous, avec tous mes collègues de l'Entente parlementaire pour la famille. Députés, sénateurs, nous allons continuer le combat. Au Sénat, tout d'abord, dans quelques jours, puis à l'Assemblée. Nous allons continuer le combat pour expliquer à Madame Taubira, expliquer à Madame Bertinotti que le mariage est fondé sur l'altérité sexuelle. Expliquer qu'un homme et une femme, ce n'est pas interchangeable. Nous allons expliquer que nous ne voulons pas de la théorie du genre qui nie la réalité, qui nie la différence sexuelle, qui nie cette belle complémentarité entre les hommes et les femmes. Et nous allons expliquer que nous ne voulons pas d'une filiation qui soit une fiction. Déjà avec l'adoption qui est dans ce projet de loi, nous mentons aux enfants. Ils n'auront pas deux papas, ils n'auront pas deux mamans. Et cette loi amènera ensuite l'assistance à la procréation. Elle amènera ensuite la gestation pour autrui. Nous le refusons. Nous refusons cette égalité. Nous refusons ce soi-disant droit qui est un droit, non pas de l'enfant, mais ce droit à l'enfant. Vous pouvez compter sur nous pour mener ce combat. Vous pouvez compter sur les sénateurs. Vous pouvez compter sur les députés. Aujourd'hui, nous nous sentons réinvestis d'une force extraordinaire, cette force du peuple français. Nous allons honorer cette force dans les jours qui viennent. Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Merci.